dans cette séance de tir au but. Koulibaly a donné l'avantage au Sénégal. Et Nicolas Pépé égalise. Ouais. À la terre, au sol, au pied du montant droit d'Edouard Mendy. Même si Edouard Mendy est parti du bon côté, le ballon suffisamment placé près du poteau. Sous la barre pour Pape Matar Sarr, c'est validé. 2-1 pour le Sénégal. Et qui va pour frapper ce... Ouais, Kwame, ouais, c'est au placé, fond. Bien placé aussi. Et ça fait deux partout. Ça fait deux fois qu'Edouard Mendy part du bon côté, mais le ballon est tellement bien placé avec la force nécessaire. Oh, le poteau ! Oh, le poteau ! Oh, le poteau qui renvoie le ballon de Moussa Niakate. Premier tournant dans cette séance de tir au but. Ah, le contre-pied était encore une fois fait, mais il faut mettre le ballon au fond. Ouais, c'est transformé avec énormément de sérénité de la part de Sébastien Haller et ça fait 3-2 en faveur de la Côte d'Ivoire. Mamba Dieng à son tour. Mamba Dieng face à Yaya Fofana pour recoller à 3 partout. Ouais, c'est bien frappé au pied du montant droit de Yaya Fofana. 3-0 partout. Ouais, il est bien tiré au sol. Ouais. C'est capitaine. Ouais, Capitaine Aurier qui va se présenter face à Edouard Mendy. Ouais, merci. On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie oui fort, que je suis contre les... Ça? Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer, en fait, cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noire. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'enfreint pas les consignes communautaires. » Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité. Donc, le concepteur de ce mot-là, très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Jibawol, disponible sur App Store et Play Store. Valé, le pauvre, pour son premier match, il vit des émotions complètement dingues. Aurier face à Mendy pour redonner l'avantage à la Côte d'Ivoire. Serge Aurier,
et c'est au fond. C'est au fond de la part de Serge Aurier. Ça fait 4 buts à 3 en faveur des éléphants de la Côte d'Ivoire. Ah, c'est bien frappé, vous voyez la hauteur nécessaire, et même si Edouard Mendy est grand. Sadio Mané. Sadio Mané face à Yaya Fofana. Sadio Mané en force. Et ça fait 4 buts partout. Mais alors là, c'est Franck Kessié qui y retourne. Si Franck Kessié marque, la Côte d'Ivoire est en quart de finale. C'est lui qui a inscrit le but égalisateur. Regardez, c'est Sekou Fofana qui l'encourage. Kessié face à Edouard Mendy. La Côte d'Ivoire est définitivement ressuscitée. Franck Kessié envoie l'essai en quart de finale. Le Sénégal n'a pas réussi à vaincre la malédiction face au pays hôte. Cinquième défaite en phase à élimination directe face au pays organisateur. Le Sénégal, champion en titre, s'arrête au stade des huitièmes de finale. La Côte d'Ivoire passe de rien à tout.